Romains, chapitre 15. Nous donc qui sommes forts devons porter les infirmités des faibles et non pas nous satisfaire nous-mêmes. Que chacun de nous satisfasse son voisin pour son bien pour l'édification. Car même Christ ne se satisfit pas lui-même, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'outrageaient tombèrent sur moi. Car toutes les choses qui furent écrites autrefois furent écrites pour notre érudition, afin qu'au moyen de la patience et du réconfort des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Or que le Dieu de patience et de consolation vous accorde d'avoir de semblables intentions l'un envers l'autre selon Christ Jésus, pour que vous puissiez d'une seule intention et d'une seule bouche glorifier Dieu, c'est-à-dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi recevez-vous l'un l'autre, comme Christ nous a aussi reçus à la gloire de Dieu. Maintenant je dis que Jésus-Christ était un ministre de la circoncision pour la vérité de Dieu, pour confirmer les promesses faites au Père, et afin que les gentils puissent glorifier Dieu pour sa miséricorde, comme il est écrit, c'est pour ce motif que je te confesserai parmi les gentils, et je chanterai à ton nom. Et il dit encore, Réjouissez-vous, vous gentils, avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous tous gentils, et célébrez-le, vous tous les peuples. Et encore, Esaïe dit il y aura une racine provenant de Jessé, et celui qui s'élèvera pour régner sur les gentils, en lui les gentils mettront leur confiance. Maintenant que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, afin que vous puissiez abonder en espérance, par le pouvoir de l'Esprit Saint. Et moi-même aussi je suis persuadé à propos de vous, mes frères, que vous êtes aussi plein de bonté, rempli de toute la connaissance, capable aussi de vous admonester l'un l'autre. Néanmoins, frère, je vous ai écrit d'autant plus hardiment en quelque sorte, comme ravivant votre intelligence, à cause de la grâce qui m'a été donnée de Dieu, que je dois être le ministre de Jésus-Christ auprès des gentils, administrant l'évangile de Dieu, afin que le sacrifice des gentils puisse être acceptable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. J'ai donc de quoi je puis me glorifier par Jésus-Christ dans ces choses qui appartiennent à Dieu. Car je n'oserais parler d'aucune de ces choses que Christ n'a pas effectuées par moi, pour rendre les gentils obéissants, par parole et par œuvre, au moyen de puissants signes et prodiges, par le pouvoir de l'Esprit de Dieu, de sorte que depuis Jérusalem et alentour jusqu'à l'Illyrie, j'ai entièrement prêché l'évangile de Christ. Oui, ainsi je me suis évertué à prêcher l'Évangile, non pas là où Christ avait été nommé, de peur que je ne bâtisse sur le fondement d'un autre homme, mais comme il est écrit, à ceux auxquels il ne fut pas mentionné, ils verront, et ceux qui n'ont pas entendu, comprendront. Pour ce motif aussi j'ai été beaucoup empêché d'aller à vous. Mais maintenant n'ayant plus d'endroit où aller dans ces régions, et ayant un grand désir depuis de nombreuses années d'aller vers vous, quand j'entreprendrai mon voyage vers l'Espagne, j'irai à vous, car je compte vous voir lors de mon voyage, et être conduit sur mon chemin vers ce lieu par vous, si d'abord j'aurais été quelque peu rassasié en votre compagnie. Mais maintenant je vais à Jérusalem pour servir aux saints car il a plu à ceux de Macédoine et d'Achaïe de faire une certaine contribution pour les pauvres saints qui sont à Jérusalem. Cela leur a plu en vérité, et ils leur sont redevables. Car si les gentils ont été faits participants de leurs choses spirituelles, leur devoir est aussi de les aider dans les choses charnelles. Quand donc j'aurai exécuté cela, et aurai scellé ce fruit pour eux, j'irai en Espagne, en passant chez vous. Et je suis sûr que lorsque je viendrai vers vous, je viendrai dans la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ. Maintenant je vous implore, frères, à cause du Seigneur Jésus-Christ, et pour l'amour de l'Esprit, que vous vous efforciez ensemble avec moi dans vos prières à Dieu pour moi, afin que je puisse être délivré de ceux qui ne croient pas en Judée, et que mon service que j'ai pour Jérusalem puisse être accepté par les saints, afin que je puisse venir à vous avec joie par la volonté de Dieu, et puisse avec vous être revigoré. Maintenant que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen.